J'ai percuté, culbuté l'islam. En fait, ce n'était pas l'islam, c'était l'islamisme, celui des frères musulmans, incarné par une association dans l'ouest de la France qui s'appelle l'AIOF, l'Association islamique de l'ouest de France, donc affiliée à l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France aujourd'hui, rebaptisée par Musulmans de France. Donc j'ai été fondateur et président des Jeunes Musulmans de France. Donc voilà, en quête de sens, je me suis retrouvé un petit peu paumé dans tout ça. Et puis il a fallu à un moment donné que je prenne ma destinée en main et j'ai quitté les frères musulmans. Ça a donné naissance à un bouquin en 2015 qui est sorti malheureusement au moment des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Et ça m'a donné une certaine visibilité médiatique. Et depuis, j'interviens beaucoup dans les collèges, les lycées, en prison, surtout en prison.